Madame C, bonsoir. Nous commençons avec Bantit Sazonala, Premier ministre des Manes en coopération internationale renforcée. Pour Bantit, l'État insulaire qui peut combattre COVID-19. Ravine Jognet peut intervenir aujourd'hui dans le sommet virtuel de la santé pour Bantit. À partir des mains, tout 20 centres de vaccination pour faire deuxième dose vaccin Sinopharm, plus que 550 000 d'immunes finis gain première dose et que 221 000 tous les deux doses. Des 1000 travail disponibles dans le secteur manufacturier pour exportation, MEXA, Péro de travailleurs. Si vous êtes intéressé ou capable, contactez le ministère du Travail. Des hauts élections régionales dans la France, si c'est tout un président sortant qui ne réélit 65% taux abstention. Merci au Peguet News Journal. Premier ministre peut demander une coopération internationale renforcée envers un petit État insulaire en développement dans la lutte contre COVID-19. Ravine Jognet peut intervenir aujourd'hui dans le CITS Virtual Health Summit 2021 qui regroupe un dirigeant de ce pays-là. Chef gouvernement mauricien demande communauté globale mobilise des ressources financières, facilite l'accès à des vaccins et consolide des infrastructures à la santé pour un petit État insulaire. Sa conférence-là organisée par l'OMS, c'est surtout pour soutenir Ban Sids dans sa période de crise sanitaire. Abdel Bolaki. Your Excellency Prime Minister Pravin. Ouverture ce lundi 28 juin du sommet virtuel de Ban Leader politique des Sids, Ban Petit État insulaire en développement, ça à l'initiative Organisation mondiale de la santé. Une conférence axée sur l'impact de la pandémie de COVID-19, l'Oban pays, Sids qui au nombre de 52. Le Premier ministre Pravin Jagnauth fin aborde la gestion efficace du nouveau coronavirus de Maurice et Clifin Souli un défi qui est associé à la COVID-19. Major infrastructural projects are underway in Mauritius, such as the construction of new hospitals and community health centers. The budget allocation to the health sector is around 7% of total government expenditure. Moreover, we are planning to set up new manufacturing industry devoted to the production of vaccine and pharmaceutical products. A seed capital of $25 million, as well as other fiscal incentives, will be provided for this purpose. Excellencies, a majority of the 193 member states of the United Nations are either small or developing states. And a significant number of them are small island developing states. We constitute altogether a powerful force within the international system. We should coordinate our efforts and make our voice heard so that we are not left behind in our sustainable development achievements. As the world is battling the COVID-19 pandemic, developing countries are facing the brunt of vaccine nationalism and export restrictions in therapeutics. Vaccines should be made a global good that is easy, accessible, and affordable to all. That is why Mauritius has joined the call for the World Trade Organization TRIPS waiver for ramping up of vaccines production to meet the increased demand. Mauritius is also following closely discussions related to an emergency pandemic treaty and the blended World Bank, WHO, WTO, UN initiative to raise $50 billion for fighting the COVID-19 pandemic. Le chef du gouvernement mauricien fit lance un vibrant appel à soutien international envers Ban Sids. Plusieurs dirigeants Ban Petit État insulaire en développement viennent intervenir pour réclamer une coopération internationale renforcée face à la COVID-19, surtout par rapport à l'accès à un vaccin et la mobilisation des ressources financières. Le sommet prend fin le mardi 29 juin. Campagne vaccination contre COVID-19 peut continuer dans le pays à partir des mains. Tout 20 centres de vaccination à travers le pays pour faire deuxième dose vaccin Sinopharm. Des azodis des trois centres fin commence à l'exercice là. Ben, l'autorité peut donner l'assurance qu'il y a un vaccin disponible et qu'il y a les autres cargaisons pour venir jusqu'à l'air plus que 550 000 du monde fin faire première dose et plus que 221 000 tous les deux doses chez Adjouman. Dans le centre convention internationale Swami Vivekananda à Pai, à la mi-journée, plus de 400 personnes qui désirent recevoir deuxième dose vaccin Sinopharm. Tout fin passe très bien. Il n'y a aucun problème. Deuxième dose, nous venons aujourd'hui, le rendez-vous, les 28 aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il passe très bien.
pas fait, nous trois Amas, nous pas fait une mise en tente trop beaucoup aussi, dans une état infini. Pas de sens, sinon, il n'y a ni première ni deuxième laine, fait que mettez là. Vous mettez là aussi, pas de sens, sinon, il y a une si douleur, les bras, une ferme à l'après, une passée. Une autre étape fin franchie dans la campagne de vaccination nationale du pays, ça lundi là, avec commencement administration deuxième dose vaccin Sinopharm. 221 000 personnes infinies vaccinées pour deuxième dose. Et aujourd'hui, nous commençons à administrer deuxième dose dans tous nos centres de vaccination à partir de demain dans tous nos régional hospitals, dans tous les centres de vaccination, nous pouvons administrer deuxième dose. Une personne qui peut envie faire première dose, nous enregistrer avec IDB et van signaux citoyens aussi, nous capable lier avec notre ministère de la sécurité. Ban vaccins disponibles, Dr Kailesh Jagatpal t'y donne l'assurance durant l'émission Focus la semaine dernière. Au début juillet, nous pourrons recevoir encore 500 000 doses de Sinopharm et qui ça permet nous continuer nos programmes de vaccination. Mais aussi faire ressortir ici tout ça ben dimoun qui depuis commencement ça mois qui nous finit faire le Sinopharm. Alors, nous avons notre deuxième dose. Alors, tout ben vaccin qui nous fait, nous toujours assurer que toute la population pour notre deuxième dose et la même chose qui nous veut faire. Aussi, nous bientôt nous pourrons recevoir le Sputnik. Nous pourrons recevoir 60 000 vaccins Sputnik dans les semaines qui peuvent venir. Avec plus que 40% population vaccinée, Maurice Perra approche ainsi de seul objectif de 60% d'immunité collective. Et justement, Maurice, pour gagner une première cargaison vaccin Sputnik V depuis la Russie, ce mercredi-là, cargaison l'a fini, sorti la Russie, représentant l'ambassade de la Russie, pour émettre sa cargaison-là symboliquement à ministre Nanganou et que ministre Kailesh Jagatpal, mercredi, dans l'airport. Un nouveau cas COVID-19 fini enregistré aujourd'hui après-midi. Maurice est dans 302 cas actifs COVID-19. Aujourd'hui après-midi, il y a 20 patients admis dans New ENT Hospital. David Rajkumar. Ben laboratoire du ministère de la Santé fin effectué ben analyse de 580 tests PCR à 5 heures aujourd'hui tantôt. Un nouveau cas positif fin détecté grâce à contact tracing, ajouté à 5 cas détectés hier soir et qui fin rapporté aujourd'hui grand matin. 6 nouveaux cas fin détectés en tout durant sa bande dernière 24 heures là. Maurice compte à ce jour 310 cas actifs de COVID-19. 20 patients fin admis au New ENT Hospital pour ben les symptômes qui nécessite une surveillance médicale. Depuis le 5 mars dernier, 1215 d'immun fin contracté la COVID-19, 895 de sa totale-là considéré comme guéri fin capable rendre que zut. Ben cas infection respiratoire fin augmenté sa semaine-là, il fin passe 900 cas, 1000 cas, une tendance à cause baisse température sa ban dernier zola. Ben public bizin continue God ben zesvoyer et fait aussi le vaccin contre la grippe saisonnière. Environ 2000 emplois disponibles dans le secteur manufacturier pour l'exportation malgré pandémie, que cela impacte l'économie mondiale. Ben post travail dans plusieurs catégories disponibles dans ce secteur là. Mexa fin bizin refuse commande plus que 500 millions roupies et libéraux de ban travailler. Ben dit moun qui est intéressé capable de contacter le ministère travail. Secteur manufacturier pour l'exportation en raison de son caractère discrétionnaire fin pendant sa crise-là particulièrement vulnérable à travers les mondes. Paradoxalement, pays fin capable de résister et que ben professionnel reconnaît qui ben affaires pas final si mal. Heureusement pour le secteur de l'exportation, nous pas connu autant de morosité comme tel. Mais besoin de dire qu'après le déconfinement de l'année dernière, en juin, nous avons une reprise et le secteur continue à faire de mieux en mieux jusqu'à présent. Bon gré, mal gré, et c'est pour le bon de l'économie mauricienne. Aujourd'hui, déjà pour le premier quarter comparé à l'année dernière, nous faisons une baisse de moins 1. Dans le contexte actuel, c'est quand même honorable comme performance. Et en avril, quand nous comparons le mois d'avril et de mai, nous faisons encore mieux. Devant un manque de main-d'œuvre, Mexa, qui fait une bizarre refuse, ben commande de ben produit d'une valeur pisqui 500 millions roupies, l'IP lance ça l'appelle là.
Aujourd'hui, nous trouvons-nous dans une problématique, au contraire, assez intéressante, dans le sens que nous peinons la main-d'œuvre. Le manque de main-d'œuvre accru dans le secteur. Nous avons quand même, en termes de job vacancy, 2000 emplois que le secteur peut rechercher. Parce que les commandes pleuvent, nous pouvons gagner beaucoup de commandes, nous pouvons continuer à gagner des commandes et nous pouvons accepter des commandes. Alors là, à tenir à dire qu'il y a vraiment un regain dans le secteur et nous un reboost. Ben Post à plusieurs échelons, c'est à pouvoir. Et du côté ministère du Travail, sa tendance là annonce positive pour Ben Seke à la recherche un emploi. Le secteur retrouve actuellement en bonne forme. Ben vacances là, il concerne différentes catégories professionnelles. Il passe du any skill worker au factory opérateur, pour une personne qui travaille dans l'administration, pour un designer, pour un ingénieur. Donc il y a tout un volet de catégories professionnelles pour qui ben l'emploi est disponible dans ce secteur là. Actuellement, nous en a pour les entreprises, nous avons à peu près une trentaine d'entreprises qui sont intéressées, reprennent cette personne-là. Et en même temps, nous avons le CMT aussi qui montre l'intérêt pour employer 300 personnes. Avec le début des confinements progressifs, Ben Coman peut tomber et que Mexa peut maintenir sur l'appel Côte Ben Mauricien pour qu'ils aient conservé particularité et caractère marseillais local. Entre-temps, Ben Lizine fait ouvert à la porte qu'il peut respecter un protocole sanitaire strict. A ben demandé à d'emploi à Stella pour faire premier pas, voir le travail, ou soit pour recycler les autres, ou soit pour réadapter eux-mêmes à un nouveau environnement professionnel. Un nouveau programme formation et accompagnement disponible pour bonne madame entrepreneur pour qu'ils soient capables de développer ou bien lancer l'entreprise. C'est à l'initiative de l'ambassade de l'Amérique avec l'association mauricienne Bonne Madame, chef d'entreprise. L'inscription pour Academy of Women Entrepreneurs Startup Challenge peut faire online. Avec la situation sanitaire dans les moments, secteur l'éducation aussi peut bien adapter les pour que l'apprentissage continue et qu'en même temps assure sécurité des élèves. Mauritius Institute of Education vient lancer un projet pour numériser les manuels scolaires et grands autres interactifs. Une quinzaine de professeurs peut contribuer dans ce projet-là qui concerne pour les moments grade N à 6. Nitu Chadia. L'apprentissage digitalisé, c'est une nouvelle normalité qui fait une ville populaire en raison de crise sanitaire. Depuis lundi dernier, les élèves peuvent suivre les cours ou les scènes MBC et aussi en ligne. Une méthode qui les parents et les élèves finissent bien accueillir, les petits pas pour dire le contraire. J'aime bien prendre mes leçons sur la télé. Je trouve ça génial. Et plus jamais je rate mes leçons, j'ai dit à maman et papa d'aller sur Catch TV ou sur YouTube. L'audiovisuel peut présenter comme un créneau important dans le secteur de l'éducation. Mauritius Institute of Education peut travailler actuellement la digitalisation d'un manuel scolaire et des MOS qui peut gagner collaboration avec une quinzaine d'enseignants. Oui, digitalisation de textbook, ça veut dire nous prenons un textbook normal, après ça nous avons un élément digital là-dedans. Hein? Un petit film, un petit vidéo, soit un drag and drop, hein? Une activité qu'ils ont fait à faire. La tablette ou le computer. Grade 4, nous terminons, nous parlons au grade 5 maintenant. Pour près, pour toute situation, il est important de digitaliser le programme scolaire, surtout au niveau primaire, selon le président Government Teachers Union. La unité qui est créée là, ce n'est pas en prenant en considération le lockdown qui est là actuellement, entre guillemets, mais aussi pour l'avenir. Parce qu'il nous rentre de plein pied dans la digitalisation de l'éducation. Nous gagnons un groupe du monde qui va travailler dans un maïs, qui gagne une bonne formation, faire des sautes qui nous gagnent une vidéo qui est très bien travaillée. Ben cool, la télévision peut continuer en attendant retour dans une classe qui peut faire pour phase à partir 5 juillet. Commission nationale droit humain finlande, deuxième édition livrée, le droit humain, Zodi. Un livret qui est destiné à du monde en public, une initiative qui gagne soutien financier à l'Union européenne. C'est une cérémonie aujourd'hui dans le bureau de l'Union européenne, dans pour lui. Manta Chagourou.
Sa livrée 60 pages là avec titre Les droits humains et n'a comme but sensibilise grand public à Déclaration universelle droits de l'homme. Fin met l'accent le droit à un environnement propre et sain. Pendant sa lancement là, Fin présente nouveau matériel promotionnel qui peut distribuer avec sa livrée là. C'est bien aussi de sensibiliser les gens à la fois au droit à l'écologie, le droit à une vie dans un environnement sain, et que chacun peut y contribuer aussi en même temps. Donc c'est pour ça qu'on a aussi distribué ces petits sacs, ces petites actions pour montrer effectivement plus de plastique, on le remplace par des sacs durables. Voilà, c'est les messages qu'on doit faire passer. Donc voilà, c'est jamais terminé, il faut toujours agir et être mobilisé sur ces questions. Publication en deuxième édition sera livrée là, pour montrer l'engagement gouvernement mauricien et ban autorité pour inculquer valeurs, respect, droits de l'homme à ban mauricien et faire se devenir ban porte-parole, d'après Alain Ganou. Les droits humains, une affaire importante d'un pays démocratique, comme a dit le Maurice. Il est important que nous tous connaissions nos droits. Nous connaissons qu'il n'est pas facile pour tout le monde capable de lire la Constitution, comprendre, les renforcer l'image de nos pays comme une démocratie. C'est une culture qui nous vient imprimer dans le conscient et l'inconscient de nos bons citoyens. Ça va livrer et matériel là pour distribuer dans le Citizen Advice Bureau, le centre de jeunesse et une association non gouvernementale, entre autres. Papouina, à PNQ, PMQT ou bien les autres questions qu'il faut adresser à ben le ministre demain dans le Parlement, séance demain pour commencer 11h30 avec le haut de Paper Appropriation Bill en troisième lecture après Papouina Supplementary Appropriation Bill et Estimates of Supplementary Expenditure Bill. Tous les deux concernent budget 2021-2022. Aussi dans l'Assemblée nationale demain, trois bills qui peuvent passer au vote, Securities Amendment Bill, Mauritius Emerging Technologies Council Bill et Optical Council Bill. Me retrouvez-vous après publicité. Cadeau malin est de retour chez Intermart. Échangez vos points contre de magnifiques cadeaux. Robot aspirateur laveur Xiaomi, robot aspirateur Panasonic, brosse à dents électrique Oral-B. Et encore plus, cadeau malin vous est offert par One World. One World est le nouveau programme de fidélité d'Intermart. Seafarers Welfare Fund fin prend l'engagement pour verser la somme 300 000 roupies à Mauritius Sailors Home Society tous les mois pour consolider davantage le bien-être des marins locaux et étrangers. Fin signe aujourd'hui un accord de principe dans Mer Rouge. Ce document-là prévoit entre autres une mise en place d'un Joint Welfare Committee et qu'un centre médical pour les marins. Tout le parti est concerné fin s'allier à l'initiative-là qui t'y attend depuis longtemps. Madi Jagonat. Le 25 juin, chaque année, nous célébrons la journée Ban Jean de Mer, ce qui reconnaît l'inestimable contribution Ban Marin dans le commerce international et l'économie mondiale. Pour mieux assurer le bien-être dans Maurice, un accord principe fin signé selon lequel Seafarers Welfare Fund depuis en Gazli pouvait la somme de 300 000 roupies chaque mois à Mauritius Sailors Home Society. Nous avons tout Ban Welfare, que ce soit finance et indoor games. Piscine, wifi pour les marins. Et ça nous permet un joint welfare committee, c'est un de nous, l'article de nous MOU, que tous les stakeholders nous joignent et nous pour quitter un coup qui va nouveau quelque chose qui nous a faire pour un marin. Président Mauritius Sailors Home Society fin dire pour ce port qui, grâce à sa lacola, prise en charge ban marin local et étranger pour bien améliorer. Maurice prend l'engagement qui est comme un marin dans le port, dans le marin qui est dans des zones de port, lui, un marin qui a difficulté, l'eau dans la mer, nous avons un devoir de nous service. Nous but, c'est que les marins qui viennent ici, ils sont happy. Ministre Soudiamodou Finli rend hommage à ban marins dans le monde entier en rappelant notre sacrifice, souvent à grands frais personnels pour eux-mêmes et notre famille. Qui est le marin le mauricien, qui est le ban marin étranger qui vient là, qui a gagné un service vraiment différent dès que je suis dans le passé, qui quand je parle dans d'autres pays, je dis oui à l'île Maurice. Vraiment, nous donnons un service, un soutien qui nous donne d'autres. Très formidable. Et révérend Joseph Stenio André et cardinal Maurice Piat finent d'autres faire part de d'autres grande satisfaction en rappelant que l'Église fin lutte pendant longtemps pour que la cola li capable aboutir dans l'intérêt de la marée locale et qu'étranger.
Dans la France, pour l'élection régionale à l'Okiban Sondage, ATP annonce partie Rassemblement national en bonne position dans plusieurs régions. C'est principalement président sortant qui est réélu. Pareil comme pour premier tour, abstention pour sa bonne élection régionale avec départementale. Fine bien faux avec 65% donc taux abstention. Nouvel étang, avant nous terminer, situation générale du vent reste modérée dans nos régions, prévision pour prochaines 24 heures. Le ciel peut dégager en général pendant la nuit, mi-couvert demain avec bâti la pluie matinale, l'eau hauteur, la mer pour agiter en des hauts récifs avec ban la houle des piscines d'ouest, des mètres hauteur, soleil pour lever demain 6h46. Nous en allons finir ici, merci, passez une bonne soirée.